partout à travers le monde, lorsque l'on voyage, on sait que lorsque nous allons dans les grands musées, nous allons avoir des expériences d'exception. Ici, à Québec, avec la construction du pavillon Pierre-Lassonde pour le Musée national des beaux-arts du Québec, c'est cette expérience que nous désirons vous offrir. Conçu par les architectes OMA, l'une des firmes les plus prestigieuses à travers le monde, ce bâtiment offre des qualités absolument remarquables. D'abord, vous allez être accueillis dans un grand hall entièrement fenestré, de plus de 12 mètres de haut. Et une cour intérieure qui, cette fois, va marier une architecture contemporaine, celle d'OMA, qui est faite de verre et d'acier, avec l'architecture patrimoniale de l'église. Également, un escalier qui sera totalement en porte-à-faux et qui nous permettra de marcher au-dessus du parc. L'ajout du pavillon Pierre-Lassonde permettra de doubler les surfaces du Musée national des beaux-arts du Québec et de présenter sa formidable collection de références en art du Québec sur plus de 4 pavillons et un total de 4 siècles d'histoire de l'art vous sera présenté dans un formidable panorama à travers autant la scène de l'art contemporain, les grands maîtres de l'art moderne du Québec, pensons à Riopel, à Pellin, mais aussi les pionniers de la Nouvelle-France. Les musées sont aussi un lieu de rencontre, un lieu d'événements. Alors, vous pourrez y trouver autant des ateliers, des conférences, toutes sortes de spectacles, puisque c'est un lieu où nous avons pensé à la famille, aux enfants, bien sûr au grand public et aux groupes, mais aussi aux entreprises et aux corporations. Le nouveau M&Back, un incontournable de votre visite au Québec. Venez vivre l'expérience du nouveau M&Back au cœur de la magnifique ville de Québec.